Hey, it's Victoria. Bon allez, pour cette vidéo on commence direct. Alors on a besoin d'une bouilloire, d'une bouteille d'eau, d'un récipient ou verre mesureur, de graines de lin. Alors ça c'est facultatif, mais moi j'utilise aussi de l'huile de coco et une huile essentielle. Alors moi j'utilise une cup, donc je mesure 2 cups d'eau, ça fait environ 250 ml x 2, donc 500 ml que je vais verser dans ma bouilloire. J'utilise la bouilloire parce que ça va plus vite, mais on peut directement tout chauffer à la casserole si on n'est pas aussi pressé que moi bien sûr. On attend que la bouilloire chauffe. Elle est prête, du coup, dans la casserole. Alors maintenant, je vais verser l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe de graines de lin. Parce que nous voulons un gel bien épais. Et après, je laisse bouillir pendant une bonne dizaine de minutes. De 10 à 15 minutes, ça dépend des feux. Je mélange souvent. Parce que des fois, les graines de lin peuvent accrocher dans le fond de la casserole. Alors ensuite, je mets un petit peu d'huile de coco. Alors je mets de l'huile de coco vierge et non raffinée, ce qui veut dire qu'elle a toujours la bonne odeur de coco. Je mets surtout ça pour l'odeur et en même temps, ça va hydrater en même temps un petit peu nos cheveux. Voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai laissé reposer. Maintenant, je rajoute 4 gouttes de mon huile essentielle de menthe poivrée. Ceci est bien évidemment facultatif. Vous pouvez ajouter l'huile essentielle qui vous plaît. Pour l'étape suivante, vous pouvez utiliser soit un t-shirt en tissu propre ou un collant. Voilà, j'avais plus de collant, donc j'ai utilisé un t-shirt pour pouvoir presser, extraire le gel et laisser les graines de lin à l'intérieur. Comme vous le voyez, je presse au maximum pour vraiment essayer de perdre le moins possible de gel. Et voilà, notre gel est fait, il est prêt, il a une texture bien gélatineuse, il est épais comme je le souhaitais. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez suivre mes petites aventures. Je vous laisse, gros bisous.